Salut à toutes et à tous, ici le Grand PCM, j'espère que vous allez bien, écoutez ça, super. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour la première étape du Tour de Catalogne. Je suis en retard, hein, comme vous pouvez le voir, mais plus tard, demain, par exemple, il y aura exceptionnellement, pas de cyclisme news, parce que je vais faire le Tour de Catalogne, et puis en plus, on est en plein de Tour de Catalogne, donc je préfère pas en faire que... vous proposer 3 news et que ce sera fini quoi. Donc je préfère faire ça et de faire deux étapes à la suite du tour de Catalogne. Pourquoi j'ai décidé de faire ce tour de Catalogne? C'est parce que il y a quand même un très très beau plateau. Là on va pas le nier, il y a quand même un très très beau plateau. Il y a Christopher Froome, si vous voulez. On peut le voir, j'ai déjà fait le tour, il y a pas mal, j'ai fait la vraie start list en plus. Hier je me suis couché super tard pour faire cette vidéo déjà et pour faire cette start list. Donc pour la movie star, il y a Valverde en leader, pour la skate que j'ai pris, c'est Christopher Froome. La Quickstep Floor, attendez, je vais juste voir... Ça accélère pas, non, c'est bon. Donc, la Quickstep Floor, Dan Martin. La Trek Segafredo, Alberto Contador. La G2R Mondial pour Romain Bardet. La Lotto Soudal, par contre, peut-être pour Raphaël Valls. Mais en sprinter, il y aura Greppel. La Cofidis, ce sera Nasser Bouhanni ou Navarro. La Brands Grom, il n'y a pas Peter Sagan, malheureusement, mais il y a Rafał Majka. Après, la Katusha Alpecin avec Innur Zakarin, la Orica Scott avec Adam Yates, la Astana avec Fuglsang, la Lotto Ene Jumbo avec Kreuzweg, la BMC avec TJ Van Garderen, la UAE Abu Dhabi avec Atapuma ou Usman Thiès, la Cannondale Drapac avec Andrew Talinski et Pierre Rolland. Il y a l'FDJ, Arthur Vichot, Chimo Live aussi pour les sprints. Après en dessous, il y a donc la Sobot Giant avec Phil Bowes. Et Laura Stendhal peut-être pour accrocher un top 30. La Cara Rural avec Pardilla. La Dimension Data avec Nathan Haas et la Chair Morton. La Rompot Peter Wing comme leader, la Wanty Group Gobert et la Wanty Group Gobert pardon avec Thomas de Gent. Je crois que ça s'appelle comme ça. À pas confondre avec Thomas de Gent, celui de la Lotto Soudal, qui n'est pas là d'ailleurs, et avec Guillaume Martin. Donc attention à ces coureurs. Donc Tour de Catalogne 2017, comme je vous ai dit. Il y a un très très bon plateau. Je n'ai pas pris le parcours 2017 de ce tour du Catalogne n'était pas proposé. Donc j'ai pris l'édition FCD que j'ai téléchargée. Ah, il y a abandon de... Oh là là, Ron Dennis, tout ça. À terre. 12 coureurs à terre dans le peloton. Ça, on est rentré heureusement. Il y avait Kreuzweg. Kreuzweg, il est où? Il y a Racing aussi qui est attendu. Il y a Juan Denis. Il y a la tour qui est tombée aussi. On va retourner tout de suite devant. Avec Christopher Froome. Et puis on va avancer. Donc vous voyez cette première étape. Eh bien, il y a beaucoup de côtes. Hein, il y a beaucoup de côtes. De deuxième catégorie par exemple, la première côte de deuxième catégorie, après la troisième catégorie, première catégorie là cette fois, deuxième catégorie, et puis on finira par la dernière côte de troisième catégorie en allant jusqu'à l'arrivée. On va un peu rouler je pense pour en tête de peloton. On va miser tout sur Froome, je pense, pour ce tour du Catalogne.
J'arrête de dire tour de, du catalogue. Ça veut rien dire. Tour de catalogue. Allez, le sprint, bientôt. 11 minutes d'avance, hein. 12 minutes même d'avance pour l'échappée de 15 coureurs qu'on va présenter tout de suite. Qui sont au début de la côte avec, bien sûr, Erke Lotz de la Bora Horsegrum. Il y a Léo Vincent de la FDJ, Zarkarov de la Astana, Saez, Horacio Saez de la Cara Rural, Lunch de la Segweb, Bidar de la AG2R, Van der Lynch de la Rompote, Canty de la Canon del Drapac, Kotchekov de la Katusha Alpecin, Brian O'Connor de la Dimension Data, Maurice, de la Wanty Group Gover, Vermeulen de la Lotonia Jumbo, Matteo Bono de la UAE Abu Dhabi et Guillaume Bonafont de la Cofidis. On va retourner tout de suite, au début de cette côte avec le peloton que le Trek Segafredo mène. On va demander à Mickaël Niévé, tiens, de nous protéger et de rouler un tout petit peu. Christopher Froome. Allez, on va faire ça. Puis il va pas nous protéger, mais il va juste rouler devant. On a un moins avec Christopher Froome aujourd'hui. C'est pas très grave. À mon avis, cette côte a fait pas mal de kilomètres. Hein. Fait pas mal de kilomètres cette côte. Derrière, ça suit bien sûr. Mickaël Niévé, on va lui demander d'accélérer encore un peu plus. Avec donc cette la Sky ou Alberto Contador. Alberto Contador est ici. Tandis que Niévé est en train de rouler dans cette côte. On se colle même, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas vraiment une côte. Allez, on va avancer. 14 minutes d'avance, ça commence à faire énormément. Pourquoi pas l'échapper gagnante aujourd'hui. Fermez un peu la porte. Il y a eu pas mal d'écho. Allez. Mickaël Niévé qui roule toujours en tête de peloton. Et qui essaye de faire craquer tout le monde. Même si pour l'instant ça marche pas vraiment. C'est pas grave, on roule quand même. Allez, nous on est bien placé avec Christopher Froome. 96 km de l'arrivée. Allez. Attendez Kotchekov pour aller au sommet. 13 minutes maintenant, ça fait beaucoup. On va voir derrière, ça commence à batailler. Et l'échappée
est quand même déjà la deuxième côte, alors que nous, on est toujours à la première. Bon, on va pas lui demander d'accélérer encore plus. C'est déjà pas mal ce qu'il a fait, Michael Nieve. On va voir plutôt Christopher Froome. Allez, on arrive au sommet, nous. Allez. En espérant qu'il n'y ait pas de chute de Christopher Froome. Là, je dis ça, il chute. Imaginez, ça serait comme ça. Hein. Ça peut être comme ça, même. Moins 5 avec Mikel Landa, j'avais pas vu. Non, plus de Geraint Thomas. On va s'intéresser plus à Christopher Froome, j'allais dire Alberto Contador. Dire que Alberto Contador a failli aller à la Sky il y a quelques années de ça. Je crois qu'il y a 3 ans de ça, il a failli aller à la Sky, donc ça aurait fait peut-être un bon transfert, mais ça serait une équipe encore plus cheatée, hein, comme je dis. Oh, t'as pour mal leader de la UAE Abu Dhabi qui est tombé. On va faire un point, parce qu'ils sont toujours à 2 minutes. McCarthy, Machado qui est tombé, Impe, Olsen, la tour qui est encore tombée, malheureusement. Oh, il y a Bichot qui est tombé aussi. Donc, le FDG attendu. Hein. Le FDG attendu, Bichot. Ils accélèrent beaucoup devant. Hein. Pour. Ça accélère énormément. On va arriver là au col de première catégorie. On va remonter avec Christopher Froome et toute l'équipe. Voilà. On reste à 62 pour l'instant. On va faire la côte tranquille. On est au sommet avec. Avec l'échappée, ça répartit en plusieurs groupes. Hein. Ça répartit en plusieurs groupes. On va voir la moto, la caméra moto qui va y aller. Qui va y aller peut-être vers Melun, mais non. C'est bien. Je crois que c'est le coureur de la Subweb, donc. Qui s'est imposé. On va voir d'une caméra d'hélicoptère. Puis on va voir. Christopher Froome. Allez, on avance. Donc là, pourquoi vous dites pourquoi le camp PCM t'avance? Bah parce que moi j'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'ai une heure à tourner cette vidéo et en plus faire le montage tout ça, ça prend beaucoup de temps. Allez, on va faire cette descente tranquille avec Christopher Froome. De toute façon, cette vidéo, là, je la tourne vers midi. Non, je pense que vous le verrez à la fin de la vidéo. Mais vous l'aurez ce soir en ligne. Tandis que demain, vous aurez l'étape 2 et l'étape 3. Longue descente en tout cas. Hein. Longue descente. 45 km de l'arrivée bientôt. Et on va avancer. Bientôt au col de deuxième catégorie. Et bientôt 2 minutes hein, pour le groupe qui est tombé tout à l'heure. Ça y est, on est au col. Allez, c'est parti. De Rentarmae, l'un des leaders de la Katusha Alpecin. C'est parti, c'est lancé ce tour de Catalogne. Il est lancé ce tour de Catalogne avec l'équipe Movistar qui roule devant avec Castroviro. On voit Contador bien se placer. Oh.
Attendez. Voilà, pardon pour cette petite attente. Donc, on fait la descente pour l'instant avec Christopher Froome. On a fini ce col deuxième catégorie qui est passé très vite. Et le sprint intermédiaire bientôt. L'échappée va peut-être aller au bout. Hein. L'échappée va peut-être aller au bout. Ouais. L'échappée va aller au bout. Il va y avoir le premier maillot jaune ici. Il va y avoir le premier maillot jaune ici. Je sais pas si on va attaquer avec Christopher Froome. Ou peut-être qu'on roulera avec Rosa, tout ça. Rosa ou Thomas. Thomas qui peut... Et Thomas plutôt. On va faire rouler Geraint Thomas. Allez, ça roule pour l'instant avec la Trek Segafredo. Avec Aymar Zubeldia. Derrière Roras. L'un des sprinters de la Movistar parce que il y a penalty. C'est parti pour la côte pour l'échapper. Donc cette première étape entre Calella et Calella. On fait, je pense, un circuit. Moi, je mets une petite pièce sur Long hein, pour gagner cette étape. Et du faux plat montant, ça commence à y aller, le faux plat montant, donc... Kirienka, voilà. Et puis on va voir Christopher Froome. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Christopher Froome est mal placé. On va augmenter à 70 pour Christopher Froome. Et on remonte avec le Kenyan blanc. Allez. Geraint Thomas donc va nous protéger. 20 km bientôt. Geraint Thomas va protéger Christopher Froome. Christopher Froome va rouler. 65. Et Geraint Thomas. On va pas prendre son. Sa gourde. Il va rouler. À 80, pourquoi ça me... Ah d'accord, ok. Ok, c'est parti. Avec Christopher Froome, on va essayer de prendre la roue de Geraint Thomas. Allez Geraint. On rattrape des membres de l'échappée. 19 km, pardon. On roule avec Geraint Thomas et Christopher Froome. On rattrape Vincent. Léo Vincent. Et ça roule très très fort. Il y a Vakoč, il y a Pantano. Christopher Froome est très bien placé. Et là, on va mettre un petit coup d'accélérateur. On va piquer dans les jambes. C'est parti. Allez, on fait de la descente à fond avec Christopher Froome et Geraint Thomas. C'est parti. Ça va super vite. Ça va très très vite même. On nous a même pas vu partir. Et Geraint Thomas maintenant sur le plat. Geraint Thomas. On va se mettre à 80. Puis là on va se mettre à 85. C'est qui derrière? C'est Vakoč. Hein. C'est Vakoč qui va. On fait un peu d'effort avec Christopher Froome, mais pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup, mais pas pour le Kenyan blanc. Allez, c'est terminé pour Geraint Thomas. On va faire comme ça.
Et nous, on va attaquer avec Christopher Froome. Attaque de Christopher Froome. Voilà, attaque de Christopher Froome. Qui va essayer de déposer tout le monde. Oh là là, on accélère. Comme on accélère. On a déjà pris 16 secondes. Derrière, ça va peut-être revenir avec Seri. Mollema. Christopher Froome à 5 km de l'arrivée. Et l'accélération. Christopher Froome peut-être devant. Devant, ça va s'imposer peut-être avec Lunk. Et j'avais raison. Lunk qui remporte cette première étape. Cendre Lunk de la Subweb. Ou derrière, on va accélérer. 12 secondes, il reste. 11 secondes. Derrière, ça va revenir avec Bokemo Lema. Allez, 1 km. 1 km, 6 secondes. Allez, le sprint. Valverde derrière. Christopher Froome, 8e. Valverde qui va terminer. Je pense 9e. Oui, ça va être fait. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Valverde Pantano, où est Alberto Contador? Et 17e pour Alberto Contador. Ouh là là. Ça fait beaucoup. On a perdu 3 minutes sur Lunk. Ne vous inquiétez pas. On va peut-être reprendre du temps sur Lunk. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Allez, bye tout le monde. Ciao, ciao.